Salut à toutes et à tous, mes chers amis, c'est IkiCraft. On se retrouve aujourd'hui pour ce magnifique mercredi en compagnie de ce magnifique jeu qui est Genshin Impact pour l'épisode 28. J'espère que vous allez bien de votre côté, en tout cas, mes chers amis. Donc, on se retrouve pour encore une petite session d'exploration et de quête quotidienne afin d'arriver à notre petit niveau 18 comme convenu afin de pouvoir continuer la narration du jeu. Sans plus tarder, je vous propose qu'on continue hein, l'aventure. On avait quelque chose là derrière qui avait l'air d'être palpitant. Donc on va aller voir ce que c'est un petit peu. Là il y a un petit esprit et tout, donc c'est parti. Let's go. On va voir un petit peu de quoi il en tourne, mes chers amis, bien évidemment. Je vais prendre elle. Et ils sont niveau 24. Waouh, ça devrait aller hein. Ah, il y a du feu et tout. Ah, on voit qu'ils sont déjà un petit peu plus costauds quand même hein. Évidemment. Il y a des petits rochers à casser. Donc du coup c'est pour laisser la place à l'esprit. Ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est fait. Il faut 3 esprits en fait. Ok. Donc là, ils sont en train d'embêter un esprit. Laissez-le tranquille. Ah, mais eux, ils sont niveau 15, en fait. Ça dépend. Ça dépend, ils sont niveau 15, en tout cas. Voilà. Hop, on va lui casser son bouclier, lui. Mais je voulais que ça le lance sur lui. Mais en fait, Goba n'a pas voulu viser le méchant ici. Donc, très bien, c'est fait quand même. Hein. Non, ne grimpe pas. Ce n'est pas nécessaire. T'inquiète pas, Changling. C'est pas le moment de grimper inutilement. Il est passé où l'esprit? Il est revenu ici? Il est revenu ici, parfait. Ok, d'accord. Et là, il y a un autre esprit. Hein, et c'est vraiment un truc de... Je vais t'aider, je vais t'aider. Donc là, je veux absolument... Ouais, bah attends, parce que là... Ouais, très bien, c'est parfait. Tu vas crever, tu vas crever. Non, mais toi, tu m'ennuies, hein. Voilà, Kirunda. Très bien. Fais donc ton Kirunda. Ton Kirunda tout krakinou. C'est parfait. Et il est où lui? Il passe. Ah, ça va, j'ai eu peur. Hein. Je croyais à un moment qu'il avait bugué lui aussi. Je dis, ah non, hein, je veux bien. Hein. Mais s'il vous plaît, pas tout le temps. Un coffre spécial. Oh, si c'est pas génial ça. On a quoi là? C'est de la volaille. Très bien. Hop, c'est parfait. Et ici, donc on a ça. Donc il faudrait que. Faudrait qu'on casse le seau là. Et pour ça, énigme. Et oui, énigme. Faut qu'on trouve où est-ce qu'on peut casser le seau. Alors pour ça, il faudrait. Oh là là, c'est un peu compliqué, hein, ça, mes chers amis. On va regarder. Je sais pas trop comment on peut faire. Hein. Évidemment. On est à la recherche de tout ça. Là, il y a un sanglier. Ça n'a... Bon, je vais faire le sanglier aussi un peu. Pour essayer d'avoir de la viande. Non, c'est pas maintenant qu'il faut faire l'attaque. S'il te plaît, calme-toi. J'arrive où le sanglier a disparu. J'arrive où ce sanglier s'est fusionné avec le mur. Extraordinaire quand même. Faut bien le penser que c'est extraordinaire. Normalement, il faudrait quelque chose pour casser le seau ici. Ok, non, ça va. Très bien. Ça va, hein. C'est bon en fait. Hein. C'est tranquillou. Il manque un esprit. Un esprit, où es-tu? Il doit être perché quelque part. Ah, il doit être pas loin, hein. Il doit être dans la zone hein, quand même, le bougre. Hein. Sauf que je vois pas où il est. Il y a encore un coffre là-bas aussi. Où est-ce que tu peux bien être? C'est du vent ici en plus, hein. C'est un truc élémentaire de vent. Ah, ici en tout cas, on a encore. On a pas mal de choses, on a des petites carottes, hein, mes chers amis, évidemment. Ah, ouais, d'accord, ah, ça c'est pas mal ça. Ah, ça c'est bien trouvé, hein. C'est con, mais c'est bien trouvé ça. Hein. Juste ramasser des carottes et ça vous fait popper un truc, j'ai envie de dire, c'est original. Moi je trouve ça plutôt sympa. Très bien. Hop. Et maintenant, il me manque toujours cet esprit. Ce petit esprit vagabond. Est-ce qu'il est pas en haut? Non, il est pas là. Je suis peut-être Miro. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous l'avez vu dans les parages. Mais moi, je ne l'ai toujours pas trouvé. Est-ce qu'il est en hauteur? Où est-ce qu'il peut bien être, cet esprit? J'ose espérer que ce sont des esprits, en fait. Hein. Il doit être dans la zone. Hein. On est quand même d'accord que ça doit être dans la zone. Hein. Sinon, je vois pas où est la logique du défi, hein, mes chers amis.
Il ne doit quand même pas s'éloigner trop loin de là, quand même. Là, je ne le vois pas. Et, ah, il doit correspondre. Hein, non? Il doit correspondre à la zone. Il doit correspondre. Je ne le vois pas ici non plus. Où est-ce qu'il peut bien être? Au pire, si je cherche trop longtemps, je ferai une ellipse. Hein, mais bon. Ça va être un peu con de faire ça alors que. Est-ce qu'il est dans un arbre? Ah, il est peut-être dans un arbre, en fait, hein, le petit coquin, il est dans un arbre. Il n'est pas dans un arbre par hasard. Ce sera encore une histoire, hein, n'est-ce pas? À dormir debout, j'ai envie de vous dire. Champignon, très bien. Là, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Au bout d'un moment, je ne vois que les arbres, mes chers amis. Non. Mais là non plus, hein. Alors ça, c'est bizarre quand même. Je l'ai trouvé. Il était bien en haut d'un arbre. C'est ça, c'est lui là en haut? Ah non. Non, autant pour moi. Je croyais qu'il était en haut du sapin là-bas, juste au-dessus de la tête blonde de mon personnage, mais non, c'était juste un effet de couleur. Hein. Où est-ce qu'il peut bien être ce. Hein? Il est pas là-bas? C'est pas cette chose-là qui bouge? Non, ça me paraît un peu gros quand même. Hein. Comme je vous le dis, il doit rester dans la zone normalement. À moins que ça soit buggé. J'espère que ça ne l'est pas. Hein. Oh, un mage des abîmes. Ah non, mais il... Ah, ça va, vas-y. Ah bah là tu vas... Ouais, là tu vas prendre cher, mon gars. Tu vas prendre cher, hein. T'as pris cher, donc du coup, voilà, c'est bien. C'est parfait. On a une pente ici. Ah non, on doit même pas grimper, donc ça sera encore possible que le petit esprit se trouve là en haut, en fait. Mais c'est con, hein, quand même, qu'il faut chercher comme ça. Non, il devrait être mis en évidence. Enfin, en évidence. Faut chercher un peu quand même, mais il devrait pas être genre si éloigné que ça, quoi. Enfin, ça me paraît chelou, hein. En cuisiner en attendant, écoutez, tant qu'à faire. La bonne petite souplette. Parfait, c'est nickel. Des omelettes, oui, pour pouvoir rester tous nos personnages, en cas de besoin. Les œufs, c'est bon. Ça donne des flatulences, mais c'est bon les œufs. Très bien, hop. Du poulet rôti, c'est bien aussi. C'est tellement bon du poulet rôti. Voilà, pile au milieu. Et ben voilà, comme ça c'est fait. Ok, très bien. Mais je ne vois toujours pas de trace de cet esprit. Et là on s'en éloigne quand même beaucoup. Hein. Là on s'en éloigne quand même beaucoup. Hein. Je vais faire tout l'épisode sur cet esprit, moi je le sens. Mais je veux le coffre, hein. J'aimerais bien peut-être avoir quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Voilà, là tu as douillé, mon gars. Là tu vas douiller, petit monstre. Très bien. C'est fait. Mais il n'y a toujours pas d'esprit qui pop. Hein. C'est assez hallucinant quand même. Il est pas là en haut? Attendez, c'est vraiment bizarre. Hein. Moi, je trouve ça très étrange quand même. C'est bizarre, non? Mais... Je ne comprends pas. Bon, on a pas mal de choses là dans les environs, mais... Il manque juste un esprit, quoi. Où est-ce qu'il peut bien être?
C'est ouf, hein? Il est pas là-dedans. Ah, moi je comprends rien, mes chers amis. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Il me manque juste un esprit et je ne vois pas où il est. Alors soit il a bugué ou alors... Ah mais attendez, il y a de la roche là, non? Non, c'est de la roche mais ce n'est pas cassable. C'est pas proprement dit ce qu'il faut. Et ici, il n'y a pas par hasard à l'intérieur de ces... Parce qu'on ne sait jamais, hein, ça peut être fourbe, hein. De toute façon, je peux pas grimper. Ce gros tronc d'arbre, est-ce que je peux grimper? Je peux grimper, mais ça n'a rien à voir. Non, je vois pas où il est, hein. Ah, je vois vraiment pas où il est, c'est perturbant. C'est vraiment perturbant. Peut-être casser ça? Non, bah non, ça marche pas non plus. À moins qu'il faille casser ça. Attendez. Je ne sais pas. Moi, je sens venir le coup de loin. Comme quoi, il faut sauter et détruire cet amas de pierres. Je ne sais pas pourquoi. Non, pas du tout. Ok, d'accord, très bien. Bah alors là, j'ai vraiment aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Je ne vois pas où il est. Tant pis, j'abandonne. Je sais pas. Bah, écoutez, moi, je veux bien, mais si je vois pas où il est, je vois pas où il est. Là, on est un petit peu hors de la zone. Bizarre, quand même. Donc, tant pis. Bah, tant pis, on n'aura pas le secret de cet endroit-là. À moins qu'il soit là. Un peu loin, quand même, de sa zone de début, non? Ah, il y en a un là. C'est lui? C'est sérieux, c'est lui? Ça serait lui. Non, c'est pas possible quand même. Il a été se percher là en haut. Genre, il a été se percher là en haut, le con. Ah, ici, on a déjà un coffre extraordinaire. Ça serait possible qu'il faille aller là. Bon, vous, je vais vous ratatiner la gueule parce que. Voilà, moi, j'y vais dardard. J'y vais dardard. J'y vais dardard. Tenez. Tenez pour vous. Alors, comme ça va vous faire vraiment du bien, cristallisation. Voilà, au revoir. Il était résistant lui, hein, quand même. Ah, et ben il y en avait encore un autre. Hein. Un vieux, là. Très bien. Un coffre délicat, donc c'est plutôt cool. On va augmenter notre niveau d'aventure avec tout ça, mes chers amis. Ah, il y a des coffres partout, hein, quand même. Très bien. Donc, on va monter. Et on va essayer de voir si cet esprit-là, par hasard, c'est pas celui qui nous manque. S'il a été perché là, c'est quand même gros, quand même. C'est quand même très gros, hein. Ça, faut le dire. C'est plutôt pas mal, hein. Ça veut vraiment dire qu'il faut chercher, hein, mais c'est vachement, mais vachement, vachement, vachement gros quand même. Parce qu'il a été très très loin. Alors, il nous emmène à pas mal de choses.
Mais on dirait bien que c'est lui, hein. Ah non, c'est encore un autre. Non, très bien. Bon, écoutez. Moi, j'ai envie de vous dire... Donc là, on a fait popper le coffre, hein, mais c'est pas celui que je cherche. C'est dommage, mais là, par contre, il y a des esprits qui tournent autour d'un arbre. Ils sont forts, hein, quand même, ici. Ils sont au niveau 18, pourtant je suis niveau 20 avec ce personnage-là. Ils sont assez chiants. Alors, très bien. Hop, hein. Bon, un coffre délicat. Très bien. C'est plutôt cool. Les primogèmes, tout ce qui va avec. Tout ce qui est le plus magnifique. Oh là, calme-toi. T'es de l'eau, donc tu congèles. Moi aussi. Ah, il y a du givre. Ah. Encore. Encore. Ah bah décidément, ce qui est le plus chiant dans le jeu, c'est ceux qui vous paralysent avec du gel. Hein. D'accord, alors là je viens de faire le con. Ok, très bien. D'accord, je fais comment maintenant? Alors là je viens de faire n'importe quoi. Je viens de faire n'importe quoi. Bon, aïe 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 aïe. Pourquoi j'ai fait ça moi? Très bien. Ah bah ça va être cool hein. Je peux pas casser cette structure. Non, donc on va devoir prendre Miss. Hein. Sauf que c'est pas là la constitution de l'équipe. Équipe actuelle. D'accord. Donc je peux pas. Ah bah c'est génial ça, mais c'est très bien ça, quand on vous détruit la seule possibilité de équipe. Impossible de configurer l'équipe maintenant. Très bien, très bien, très bien. C'est génial. Et lui il va m'aggro pendant des heures. Très bien, maintenant je peux. Et hop, il faut un chargement ridicule. Bon. Hop, on prend d'elle, changer. Alors, hop, ensuite. Espèce d'enculé. Tiens, t'as voulu faire le malin? Tiens, je t'utilise même un ulti rien que pour toi. Rien que parce que tu me fais royalement. Hein? Bref. Voilà, donc ici on a des. Ouais, mais on a des esprits ici. Qu'est-ce qu'ils font là, ces esprits là? Ouais, des esprits qui. Qu'est-ce que ça a à voir? Y a rien en haut, hein? Non, ils sont juste en train de tourbillonner. Je vois vraiment pas où est cet esprit, hein. Ça me torturait, hein, mes chers amis, hein. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire où est cet esprit, hein, parce que ça va me torturer, hein. Ah, je vois vraiment pas où il est, hein. C'est quand même pas possible, il doit être dans la zone, non? Je suis Miro à ce point-là. Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, je sais pas. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. L'a pas compris. J'ai envie de vous dire, hein, tant pis. Hein. Ah, hop, dispersion et tout ce qui va avec. Allez-y, dispersez-vous dans le néant. Je vous en prie. Vous n'existez plus désormais.
Bon, on augmente toujours hein, avec ce genre de petites capacités, c'est plutôt cool quoi. Non, c'est ce genre de choses que je voulais faire. Hein. Très bien. Très bien, très bien. Évaporation. Ah lui il est niveau 22. Hein. Je tiens à lui casser carrément le corps. Ça lui fera déjà un peu plus mal avec un niveau comme elle. Très bien. Voilà. Ah, il a carrément été brisé en mille morceaux, le pauvre. Ah bah, paix à son âme. Hein. Un coffre précieux. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est cool. Très bien. Ok. Oh oui, on a de très jolies choses. Ça c'est très 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 bien tout ça. Bon ben voilà, on a fait cette zone-ci. Ah, il y a une quête là-bas en haut. Hein. Il y a une quête, un défi de temps. Un défi de temps. Alors peut-être que l'esprit est en haut, j'en sais rien. Ah, mais attendez, il y a un truc là que j'ai pas été voir là. Ah, il y a un creux là. Il y a un creux. Il y a un creux ici. Enfin, je dis un creux, mais il y a un petit truc sur... Non, mais en fait, il n'y a rien à voir. Ouais, pour casser une coque de pierre, rien tel que de la pierre elle-même. La logique n'est pas forcément entièrement la même que celle de Pokémon, mes chers amis. Par contre, on a une fleur, là. Donc j'avais pas encore tout regardé ici. Bon, c'est un coffre, mais c'est pas une petite chose comme il faut en fait. On va prendre Kaya. Très bien. Bon, j'arrive toujours pas à trouver cet esprit. Ah peut-être que attendez. On va regarder ça. Peut-être qu'il faut flamber ce genre de truc. Non pas du tout en fait. Très bien. Ça n'a rien à voir. Hein. Il est même pas derrière. Mais je vous promets, hein, ça m'agace. Hein. Ça m'agace parce que je vois vraiment pas où il est. On a des tas de... Ah mais après il pleut. Hein. Il pleut donc est-ce que ça n'aiderait pas à ce que ça reste... Parce que peut-être qu'il faut allumer l'hôtel, je ne sais pas. Très bien, mon personnage. Alors, équipe. On va remettre la petite Xiangling. Formation rapide, très bien, hop, changer. Très bien, alors, ensuite. Non, toujours pas. Ah ben je ne sais pas. Je suis franchement perplexe de savoir... Non mais en fait de toute façon il pleut. Il pleut donc ça peut pas prendre feu. Ça peut pas prendre feu étant donné qu'il pleut de toute manière. Bon voilà. Non, mais je ne vois pas. Je ne vois pas, je 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 vois pas. Hein, j'ai beau regarder la zone, hein. Il devrait être là quand même à proximité quand même, on est d'accord, hein. Quand même pas le chercher à l'autre bout de Taïvat non plus. Ça n'aurait tellement aucun sens, quoi. Ça n'aurait tellement aucun sens. Ah, mais regardez, on a un esprit là-bas encore. C'est lui? Ah, mais je vous le dis, hein, moi je veux le faire, hein, ce truc. Hein. Moi je vous le dis, hein, les amis, hein, quand je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses, je lâche pas une affaire tant que j'y suis pas arrivé. Hein. On n'a rien à foutre. Hein. Ah, ça faut pas. Je suis comme ça, moi. Hein. En infographie, c'est pareil. Hein. Pour le moment, je suis en train de bloquer sur un truc avec ma 3D, comme quoi j'arrive pas à faire les bones, donc le squelette de mon import de Final Fantasy XIV dans Blender. Je m'en fous, hein, j'y arriverai. Hein.
Je veux le savoir, le truc, hein. Je veux pas commencer à dire non. Il était là, peut-être. Alors, très bien. Très bien. Très bien, encore de nouveau. Et ensuite. Ok. Et là-haut, on a encore un autre défi, mais ça va être plus compliqué. Défi terminé. T'étais là, petit enfoiré. Franchement, sérieusement, si c'est toi, si c'est toi, t'as vraiment été loin. T'as vraiment été loin. C'est pas possible, c'est même pas encore toi, je parie. Non, t'as encore un autre. Je parie tout ce que tu veux que t'as encore un autre. Ah ben voilà, t'as encore un autre. Guidé par le vent, très bien. Ok, cool. Et ensuite, du coup, oui. Mais, mis à part ça. Ça a fait popper quoi? Ah oui, il y en a encore un autre en fait. Très bien. Oh là là, il y a tellement de choses, mes amis. Je crois que l'esprit. L'esprit. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui s'appellera Quand on joue avec les esprits. Allez, mon petit. Ah, ici, c'est une belle falaise. Hein. Ah oui, ici c'est une belle falaise. Du coup, on aura fait tout l'épisode en entier dans une seule et même zone, mes chers amis. Très bien. Ok. Coffre précieux. Magnifique coffre délicieux. Et c'est succulent. Par contre, là, il y a un truc, mais je veux savoir. Il y a quand même encore un coffre là aussi. Ouais, c'est bien, hein, tout ça fait augmenter notre aventure. On fait un peu d'explo, hein, mes chers amis. Hein. Ça paye pas de mine. Hein. Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Mais là je me suis un peu trompé, je pense. J'aurais pas dû prendre celui-là. Ah non, c'est un symbole de la Nemo. Très bien, on va attendre. Parce que du coup, je l'ai pas fait au bon endroit. Je suis tombé sur celui-là, mais c'était pas ça. Très bien. Allez, repop l'esprit. Faut attendre. Voilà, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ok. Voilà une bonne chose de faite. Bon, on a la téléportation qui est là. Ouais, non, je sais pas. Je ne vois pas où est ce petit esprit vagabond. Très bien. Donc ouais, ça, je pense qu'on va prendre elle. Ça, c'est très bien. On a des minerais de fer aussi. C'est plutôt cool. Bonjour. Je t'ai passé un objet qui était absolument pas. Ouhour! Je suis dans une forme olympique. Mon épée a grandi. Elle casse tout. Tiens, tiens, et voilà, et voilà. Et comme ça, c'est parti. Un coffre master délicat, c'est parti. Bon, à part ça, voilà, on n'a rien d'autre en fait. Ça, c'est le lac et tout. On a des vieux, on a des vieux Brutocolinus, là. Calme-toi. Calme-toi, tu peux pas me toucher. Électrocution. Ouais, mais bon, déjà je suis en pierre. Et en plus de ça, j'ai un bouclier. Et toi, tu vas te taire. Hein. Tiens. Allez, mais meurs en fait. Voilà, mon petit gars. J'ai détruit ton gosse. Tiens. Tiens encore, tiens de nouveau et encore tiens. Mais ça, cristallisation, c'est parfait. Tiens! Voilà. Comme ça, c'est fait. Bon, voilà. On a fait un peu cette zone-ci, hein, mes chers amis. Je vais regarder un peu la map. Donc, c'était découvert. On a un donjon là, donc inconnu. On a un donjon. Oh, on a quand même pas mal de récompenses et tout. On va aller le faire, le donjon là, je pense. Ah, on va aller le faire.
On a un symbole de l'animal là aussi. Hein. On a un petit symbole de l'animal. Oui, bon, on a les brutocoïnus qui font dodo, hein, dodo sous la pluie. Hein. Dormez, ne vous inquiétez pas. Et voilà, ça c'est cool. Ok, très bien. Oui, calme-toi. Tu as une très jolie voix, mais calme-toi. J'aime quand tu me parles comme ça, mais... Calme-toi quand même. Bon, en tout cas, déception hein, pour cet endroit-là. Hein. Je n'ai pas trouvé le... Le dix esprit. Bizarre. Je sais pas. Moi, j'ai pas envie de faire mon mauvais joueur, mais je suspecte que ça soit buggé. Ah, y a un truc qui a fait de l'éclair là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a fait des éclairs là? Je ne rêve pas. Il y a eu un éclair là quand même. Bah, j'ai beau faire ça maintenant, ça fonctionnera pas. Il y a un saut protecteur. Quand même d'accord. À moins qu'il faille réellement qu'il y ait plus de pluie. Et tant qu'il pleuvra, je ne pourrai pas le faire. Oh non, mais regardez! Bonjour! Et voilà! Je vous l'avais dit, hein, quand je veux quelque chose, je veux absolument l'avoir. J'en ai rien à faire. Hein. Ah, moi, je suis têtu hein, comme gars. Hein. Quand je veux trouver une solution à un problème, je peux chercher pendant des jours. Hein. J'en ai rien à faire. Hein. Voilà! Merci, donne-moi ça maintenant. Waouh! Excellent! Et qu'est-ce qu'on a là? Oh là 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 là! Mes chers amis! Waouh 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 waouh! Ah! Et c'était ça de toute façon le temple. Voilà. Donc c'était quand même ça le donjon. Donc on était impérativement obligé de le faire. Pépinière de Cécilia. Très bien. Hop! Voilà. Pépinière de Cécilia est ouverte. Le capital assoiffé, donc donjon d'entraînement. Après, ça monte de level. Cliquez ici pour voir les règles et les listes des compétences. Ah oui, d'accord, en fait. Ah, donc le lundi, jeudi, donc mardi, vendredi. Donc on récupère ces stuff-là. Très bien. C'est cool. Ah, c'est bien ça. Ok, d'accord. Ah, j'aime bien. Je trouve ça vraiment sympa. Donc aujourd'hui on est mercredi, donc mercredi on a ça. Donc on a des menottes. Ok, très bien. Élément recommandé. Donc on a du feu, on a de la glace et il nous faut donc attendez. Commencer le matching. Donc on peut trouver des gens pour le faire. Explorer en solo. Ouais. Je me demande bien si je le ferai pas en multi pour voir un petit peu, pour tester le multi. On va le faire d'abord une première fois en solo, mes chers amis, à l'épisode prochain, on le testera en multi. Comme ça, on fera ça pour une deuxième journée. Donc ça sera cool. Comme ça, on fera un peu de multi pour voir hein, avec comment c'est le matchmaking. Tout à fait. Exploration solo. Donc pour ça, il faut que je fasse mon équipe. Donc en fait, la Terre, on n'en a rien à faire pour le moment. Donc malheureusement, on va prendre la magnifique Lisa. Je dis malheureusement parce que bon, elle est pas celle que. Qui est forcément la plus dégourdie pour moi. Enfin, elle est très lente. Hein. Il doit bien avoir quand même des casteurs électriques qui sont bien plus forts. Anomalie énergétique, eau ralentissante, sera régulièrement infligée sur votre personnage. Cet effet augmente donc des compétences jusqu'à les attributs hydro soient ôtés. Qui est très bien. On subit donc une influence venant de l'eau. Ok, on va voir à quoi ça ressemble, mes chers amis. En tout cas, déjà là, on n'a pas de. Ok, donc c'est juste une arène en fait. Alors, est-ce qu'on va réussir? Je sais pas pour quel niveau c'est. Donc, on va voir, on peut quitter le défi quand on en a envie. Déjà, il faut tuer tous ces cryoblobs. Ah, mais là, en 13, ils sont niveau combien? Niveau. Ah, ouais, ça va être un peu. Oh my.
Ah, d'accord, ça me donne. Ok, d'accord. C'est la première fois que je fais ce défi-là, mes chers amis. Je découvre aussi en même temps, du coup. Donc, à chaque fois que j'en tue un, ça me fait gagner du temps. Ça me fait gagner des secondes et tout. Bon, comme c'est de l'eau pour le moment. Ah, mais je pourrais prendre Lisa. Très bien. Venez ici, venez ici. Entrez dans le cercle. Entrez, rentrez. Défi terminé. Ok. C'est super cool. Ok, très bien. Donc c'était ça le défi. Ok. Et on peut le refaire autant de fois qu'on veut? C'est ici qu'il faut aller? Récupérer. Ok, d'accord. Donc là, on a un arbre. Un arbre à la Teldrassil. Yggdrasil, hein, comme vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a gagné? C'est juste ça qu'on a gagné? On n'a pas gagné... Ah, d'accord. On a gagné notre... Ah, on a gagné un bête truc à 2 étoiles. Bon. Ok, il n'y a pas de coffre, hein, on est certain. Donc ça, on n'a pas de coffre. Donc on peut être en multi pour le faire. Écoutez, on va voir ça. On est à... Voilà, moi, on est à une histoire de 36 minutes de vidéo. Ouais. Est-ce que je peux le refaire maintenant? Est-ce que je peux le refaire maintenant? Comment ça se passe le multi? Très bien. On va voir parce qu'on a les events et tout, hein, on a la fournaise de machin chose, enfin le truc élémentaire là. Comment c'est le matchmaking? Matchmaking en cours. Bah regardez ça, mes chers amis. Alors, comment ça fonctionne réellement? 1P. Pyro a rejoint le monde. A refusé votre invitation. Très bien. Enlevé. Très bien. Ok, d'accord. C'est plutôt cool. Ah, il y a le petit chat en tout cas. Donc on peut faire commencer. Coéquipier non prêt. Code d'erreur. Ok. Faut attendre maintenant. Il a pris un pyro. Il a pris un électrique. Commencer. Très bien. Bon, je prends... regardez ça, mes chers amis. Et apparemment, il y a le chat qui est là, donc on va voir. Très bien. Donc, en fait, on... Ok. Donc, on va prendre... Ah, je peux pas prendre... Très bien. Ok, d'accord. Très bien. Et ils sont où, les autres? Hey, it's my first. Bien. Oh, mais t'es vraiment sec-cache, là. Il a pris Bennett. Très bien. Oh, ça a l'air sympa le multi, hein, quand même. You should reset plan of stuff. on est passé directement à l'action sans, sans forcément en demander du reste. En tout cas, ils ont des personnages qui sont cool. Enfin, Bennett, on comprend, on sait qui c'est, Bennett.
Ça aurait été mieux que je prenne peut-être Lisa quand même, pour avoir un AOE de... Très bien, ça donne quoi? Est-ce qu'on peut récupérer chacun son truc? Très bien. What? It is done. Yeah. Each stuff. Birdies. Très bien. Bon, ils ont quitté, donc c'est bien. Je sais pas s'ils ont eu le temps de lire ce que je leur ai noté. En tout cas, il y a un chat. Donc déjà, le multi, comme ça, il y a un chat. Ok, donc quitté. Et en fait, si on quitte, donc du coup, normalement, ça quitte le groupe. Je pense que c'est bien ça. Bon, ben voilà, on aura testé un peu déjà du multi dans ce sens-là, mes chers amis. Ah, il reste avec moi, en fait. Très bien. Il reste avec moi. Ok. Donc, ça peut vraiment être du multi comme ça. Comment on peut faire pour quitter le monde après ça? Ah, mais en fait, ils sont venus dans mon monde, en fait. Ok. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant, du coup? Parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc, on peut quitter le... Voilà, il a quitté le monde, donc très bien. Je pense que lui aussi va quitter. Voilà, il a quitté le monde, donc très bien. Comme ça, chacun a fait ce qu'il avait besoin de faire et tout le monde a quitté. Très bien, donc je n'ai pas dû appuyer sur le bouton ou faire quelconque manipulation. C'est exactement comme une instance dans un MMO ou peu importe, ou alors même comme dans Monster Hunter World, vous quittez, voilà, et puis c'est bon. Comme ça, tout le monde a fait sa petite popote. Très bien. Donc du coup, bah, le stuff est intéressant. Maintenant, j'aimerais bien voir comment je peux faire... Donc ça, c'est quoi ça encore? Ouais, ça c'est le... Je voulais pas cliquer là-dessus, pardon. Donc ça c'est e-girl, très bien, donc là on commence à avoir des pseudos bizarres avec des gens peu convenants évidemment, des abrutis de première j'ai envie de vous dire, ou des petits farceurs, des trolls et tout genre de jokes les plus trollolesques les unes que les autres et les plus MDR. Bon très bien, alors ici qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah c'est bon, mission ok, donjon voilà, salle donjon, pépinière de matériaux d'élévation. Bah oui, mais c'est fait. Et alors? Je sais pas. Donc ça c'est fait, mais bon voilà. On... Donc après, on a le palais secret de Yansha. Ok, d'accord. Bon, ben voilà. On va aller faire cette ligne énergétique, hein, tiens. Tant qu'à faire. Ah oui, elle est là. Bah en fait, on va aller là, hein, tout simplement. Hein. Et la prochaine fois, on fera des quêtes quotidiennes. Ce que moi j'ai envie de considérer comme des quêtes journalières, mes chers amis, tout simplement. D'ailleurs, j'ai encore des choses à faire ici, hein. On a encore des choses à faire ici. C'est-à-dire simplement des... comment ça s'appelle encore? Des téléporteurs à trouver. Je pense qu'on va se faire les téléporteurs là et après on pourra se laisser. On aura fait ce qu'il faut. On aura fait ce qu'il faut. Donc très bien comment... ben voilà comment les choses fonctionnent pour du multi. En fait j'en ai pas encore fait. J'avais pas... Vous savez vraiment... le multi c'est bien mais... Enfin voilà, pourquoi c'est plutôt pas mal. Alors, il faut que j'aille par ici. Donc oui, il faut que je monte, évidemment, pour trouver le dit... Oula, c'est encore une grande falaise, là. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Bon, ben, j'ai de la grimpette à faire, hein. De toute façon, je pense que vous avez eu droit à une ellipse le temps que je trouve des gens pour... Bon, elle n'était pas longue, l'ellipse, hein, de toute manière. Donc, si du moins, il y en a eu une, hein, si je vous en ai mis une d'ellipse. Donc, voilà. Ok. En fait, il reste toujours dans le groupe. C'est que quand il quitte le monde, que... Oula, attends, là, parce que là, j'ai une pente raide, là, d'un coup. J'ai pas fait ça comme il fallait. Au secours! Oh, au secours! J'ai pas envie de tomber. J'ai pas envie de recommencer à tout remonter non plus, hein, franchement. C'est pas comme si c'était la falaise la plus grande du monde, mais... Voilà! C'est très bien. Brave fille. Brave girl, good girl, MDR, tout ça, tout ce qu'on veut, hein, les... Une info d'internet.
c'est pas du tout ça que je voulais faire, hein, mon gars. T'es niveau 19, hein, donc on va te calmer tout de suite. Hein. Très bien, voilà. Hop. Ah oui, mais t'avais vraiment voulu me toucher, toi. Hein. Aïe, tu fais mal. Voilà, hey, hey. T'as voulu faire le king, et bah t'es tombé. T'es simplement tombé. Bon, en même temps, il y avait un explosif, là, j'aurais pu m'en servir, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va aller chercher tout ce qu'il nous faut. Oh, y a un truc là qui a dépopé du sol d'un coup furtif. Bon, ça fera un très très long épisode aujourd'hui, mes chers amis, là, pour le coup, vous êtes gâtés. Je me dis, c'est exceptionnel, on va pouvoir faire un long épisode, j'ai envie de dire, pourquoi pas. On a un petit défi ici, tant qu'à faire. Ok, ok. Ah, il faut savoir où il est, hein, ton défi. Je dois aller où? Bon, d'abord, on va analyser où est-ce que je dois me rendre. Hein. Ben, je vois pas, en fait. Je le vois pas. Je ne le vois pas, le truc où je dois aller. Non, non, j'ai pas vu. Bah non, je vois pas, en fait. Ça m'indique rien. Bon, tant pis, je le ferai après, parce que je crois que j'ai ça qui me bloque. Hein. Défi échoué, bah oui, j'imagine bien. Oh, un cryoblob. Alors ça, si c'est pas... Alors ça, si c'est pas magnifique, mes chers amis. C'est ce qu'il me fallait. Ah oui, mais non, non, non. Ah, mais il va me faire chier. Il va me faire chier, celui-là. Il est des types pauvres. Hein. Très bien, comme ça devrait aller. Voilà, ça c'est bien. Ah, au bout d'un moment, mes chers amis, au bout de quelques épisodes, on prend le pas. Hein. On commence à savoir un peu comment les choses fonctionnent, tout ça. Défi terminé, cool. Fleur... Ah. Utiliser la fleur de ligne pour récupérer les trésors. Ah pardon, j'étais déjà dessus. Ah ok, d'accord, je voulais juste récupérer les choses et j'ai pas vu qu'il y avait ça. Je dis, c'est quoi ce pop-up qui arrive devant moi? Calme-toi bien, le jeu vidéo, calme-toi. Ah, je voulais prendre le papillon, c'est pas grave. Bah je le prends quand même. Et maintenant, voyons voir ici s'il m'indique où est-ce que je peux aller. 30 secondes. Oui, 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 je veux bien. Je veux bien, mais il faut pour ça que je sache où je dois aller. Et là, j'ai aucun indicateur. Je ne comprends pas où je dois me rendre. C'est quoi, c'est toutes les... Non, je vois pas. Non, mais pour moi, là, ça me semble un peu inconnu. Je ne vois pas le coffre où je dois aller. Mais il y a toujours cette foutue quête violette là qui m'ennuie. Donc du coup, il m'empêche de... Je sais pas. Ouais, bref. C'est pas grave. Non, parce que là, je voyais pas. Hein. Je voyais vraiment pas. Hein. Je veux bien faire des efforts, mais je voyais pas. Ah, là, on a un symbole de l'anémo. Ça va être cool. La petite symbole de l'anémo. Bien évidemment. Bah là on a encore un défi là en haut, on a un petit coffre aussi, hein, tant qu'à faire. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah bah un petit défi de type... bah encore de type temps, hein, bien évidemment. Bon du coup vous aurez eu un gros épisode, hein, mes chers amis. Attends, 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 attends. Parce que là, j'ai pas pris le bon côté. Non. Laisse tomber. Descends un petit peu, Xiangling. Hein. Et là non plus, je me suis pas mis du bon côté. Ils sont chiants avec leur côté. Hein. Bon, ok, très bien. Allez, on recommence, hein, parce que... Il faut faire un détour phénoménal pour prendre l'échelle du bon côté. Alors, c'est bon, là, ça va? Ok.
Alors, il est où ton défi? Voilà, ben là, vous voyez, là, du coup, on a le... On a le... Ah putain, non mais... Mais allez, mais sérieux! Mais va t'en faire mettre! Putain, ils ont mis des épines, les enfants de... Oh putain! Est-ce que j'ai vraiment le temps de cramer ça, sérieusement? Genre, ça pop comme ça, hein. Non mais ça a aucune inquiétude logique, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Va devant? Non, enfin, mais elle est conne quand elle veut, elle, hein. Oh, vous êtes sérieux? Ah, mais non, mais les trucs, ils existent pas, et il suffit que vous appuyez sur un truc pour que ça existe, quoi. J'ai bien, hein, péta logique, hein. Et j'ai réussi à passer de l'autre côté. Je tiens à le dire. Bon, du coup, mon défi, il est raté. Peut-être pas tant que ça. Non, ça va, ils sont encore cléments, hein. Ils sont géniaux. Ils ont dit, tiens, il est YOLO. Bon, ben, c'est sur cette magnifique vue sur l'océan, mes chers amis, ben, qu'on va se laisser là, hein, pour cet épisode. On va reprendre notre héroïne. Voilà, très bien. En tout cas, merci à vous, mes chers amis, d'avoir regardé cet épisode. Et merci aux nouveaux arrivants qui viennent de s'abonner sur la chaîne et qui viendront aussi s'ajouter, ben, à la petite communauté, hein, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder dans la description, hein, si vous le désirez, bien évidemment. Tous les liens qui permettent de voir où j'ai des activités sur le web, hein, c'est-à-dire du dessin, parce que principalement je suis infographiste, donc je fais évidemment beaucoup de dessins, notamment sur Twitch, donc aujourd'hui. Vous pouvez le voir là exactement à gauche, hein, de l'écran, le dessin en working progress évidemment de Lisa. Eh bien oui, on reste dans le thème de ce qui se fait en ce moment, de Genshin Impact, voyons. Et donc voilà, vous pouvez le voir selon la description, le lien qui mènera tout droit sur mon Twitch, car c'est aujourd'hui au soir que je fais la continuation de ce fan art, et vendredi aussi, mais en tout cas aujourd'hui. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, faites tout ce que vous voulez, mes chers amis. En tout cas, jusque-là, portez-vous bien jusqu'au prochain épisode ou jusqu'à ce soir. Je vous souhaite que du bon, et donc à la prochaine. Bye!